À toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Avant de commencer, un petit message d'ordre sanitaire. On va vous demander de bien vouloir garder vos masques pendant la rencontre et pendant aussi le temps de questions-réponses qui suivra les échanges qu'on va avoir. Je vais faire des courtes présentations. Je suis Marion, une des quatre libraires de la librairie coopérative La Cavale, qui est située aux Beaux-Arts à Montpellier. Je suis accompagnée ce soir de trois coopératrices, Marie-Thérèse qui est assise juste à côté, et Anne et Laure qui vont lire quelques extraits du livre pendant les échanges qu'on a trouvé intéressant de vous partager, sans bien sûr dévoiler toute l'intrigue du roman. Autant vous dire que nous sommes ravis de prendre part toutes les quatre à cette rencontre. On avait été séduites déjà par Frères d'âme, et on l'a été énormément par La Porte du voyage sans retour. On tenait d'ailleurs du coup à vous remercier, David Diop, d'avoir accepté notre invitation. Pour parler de vous, vous êtes enseignant chercheur à l'université de Pau. Vos recherches et vos enseignements portent sur les représentations de l'Afrique dans les littératures du XVIIIe siècle. Vous avez écrit deux romans avant La Porte du voyage sans retour, 1989, L'attraction universelle, paru en 2012 aux éditions de l'Harmattan. Et Frères d'âme en 2018, qui vous a valu de nombreux prix, notamment le Goncourt des lycéens l'année de sa sortie, et puis cette année le prix international Man Booker. Cette année, vous avez publié votre troisième roman, La Porte du voyage sans retour, donc, qui est inspiré du personnage de la figure réelle de Michel Adanson, qui était un botaniste du XVIIIe siècle, et qui nous raconte à travers des carnets qu'il a écrits sur son lit de mort, et que sa fille Aglaé découvre au début du roman un voyage au Sénégal qu'il a fait 50 ans auparavant et qui l'a profondément marqué, profondément transformé même, et de manière plutôt positive. Voilà. Avant de vous poser la première question, alors petite chose aussi à noter, la médiathèque a fait une petite mise en avant de livres de botanique et on trouve parmi ces livres-là un livre de Michel Adanson, du coup, voilà, Histoire naturaliste du Sénégal, que vous pourrez consulter après si vous le souhaitez. Donc avant de poser la première question, on aimerait vous lire le premier paragraphe du livre, en fait, c'est Anne qui va s'en charger. Un premier paragraphe assez parlant, puisque dès les premières lignes, en fait, on sait vraiment où est-ce qu'on va aller si on poursuit la lecture. Michel Adanson se regardait mourir sous les yeux de sa fille. Il se desséchait, il avait soif. Ses articulations calcifiées, coquille d'os fossilisée, ne se dénouait plus. Tordue comme des sarments, elle le martyrisait en silence. Il croyait entendre ses organes défaillir les uns après les autres. Des craquements intimes, lui annonçant sa fin, crépitaient faiblement dans sa tête. Comme, au départ du feu de brousse qu'il avait allumé vers le soir, plus de 50 ans auparavant, sur une rive du fleuve Sénégal. Il avait dû se réfugier très vite sur une pirogue d'où, en compagnie de ses laptos, les maîtres des eaux fluviales, il avait contemplé une forêt entière, flambée. Merci Anne. Alors, dans vos précédents romans, vous faisiez faire le voyage au lecteur et à vos personnages du Sénégal vers l'Europe et vers la France. Là, vous avez choisi de nous faire le voyage en sens inverse. Comment vous en êtes venu à faire ces allers-retours et pourquoi cette fois-ci avoir voulu prendre le point de vue de l'Européen qui se rend au Sénégal? Bon, avant de vous répondre, je voudrais vous remercier pour votre invitation et aussi pour le beau cadeau que vous me faites parce que c'est la première fois que je vois une édition originale du Voyage au Sénégal de Michel Adanson. Donc ce sera à Montpellier, dans la médiathèque Imizola, que j'aurais vu pour la première fois cette édition originale. J'ai travaillé essentiellement sur des facsimilés ou des rééditions du Voyage au Sénégal, qui était le premier tome d'une histoire naturelle du Sénégal, qui était de grande ampleur et qui était prévu comme tel par Michel Adanson. Et puis je vous remercie pour la belle lecture des premiers paragraphes du texte. Alors j'ai souhaité que Michel Adanson soit ce voyageur français parce que je l'ai rencontré qui arrive au Sénégal, donc qui fait ce mouvement inverse, c'est-à-dire
de la France vers le Sénégal, alors que dans mon roman précédent, je mettais en scène un tirailleur sénégalais qui allait évidemment du Sénégal vers la France, parce que j'ai rencontré Michel Adanson il y a une quinzaine d'années, justement en lisant son récit de voyage au Sénégal. Et j'ai trouvé que ce récit de voyage était passionnant pour moi à divers titres. D'abord parce qu'il renvoyait à une réalité du Sénégal que je partage ou que j'ai partagé 3 siècles après. C'est-à-dire qu'il parle d'arbres, il parle de nourriture, il parle de données culturelles qui existent encore. Mais il parle de paysages qui ont disparu. Et donc ça me touche énormément. Ensuite, j'ai été très frappé par l'originalité de son regard dans le contexte dans lequel son récit de voyage paraît. C'est un scientifique. On dit que c'est le premier savant qui a fait un voyage en Afrique. Et donc, c'est un savant du XVIIIe siècle et il a une méthode expérimentale. C'est-à-dire que pour les philosophes du XVIIIe siècle, dont il fait partie, il est reconnu comme étant un philosophe. On n'admet rien qui n'ait été prouvé par l'expérience et l'expérimentation. Et lui, il a cette démarche, c'est-à-dire qu'il fait l'épreuve de l'altérité qu'il rencontre avec son corps. Il goûte au couscous de requin. Au départ, il n'aime pas. Mais quelques temps après, il dit « Ah, finalement, c'est pas si mal que ça. » Il se met du henné sur les mains pour voir combien de temps ça tient. Et il va même jusqu'à dire que ça pourrait plaire aux coquettes de Paris. Et il le dit donc dans l'histoire naturelle du Sénégal et son récit de voyage. Donc tout ça a fait que j'étais extrêmement frappé par ce récit de voyage. D'autant plus que j'ai appris que Michel Adanson, et il le dit lui-même dans son récit de voyage, a appris le Wolof, qui est la langue parlée au Sénégal, parmi d'autres, hein, mais qui est une langue vernaculaire d'ailleurs, et donc qui a été pour lui un moyen d'entrer en contact avec les populations du Sénégal au XVIIIe siècle. Parce que, et c'est ça aussi qui m'a passionné, c'est qu'il dit, alors il y a un livre sur les plantes médicinales, hein, que le conservateur m'a montré tout à l'heure, il y a une volonté chez Michel Adanson de connaître la propriété des plantes auprès de personnes qu'il a repérées comme étant détentrices d'un savoir local. Alors que tous les savoirs sont dévalués sur les savoirs africains, les savoirs exotiques sont dévalués à cette époque-là, lui s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui connaissaient les plantes. Mais les traducteurs habituels étaient incapables de traduire ce qu'ils voulaient entendre à propos des plantes et de traduire les questions qu'ils voulaient poser sur ces plantes-là. Et Michel Adanson donc a appris le Wolof pour aller à la rencontre de gens qui avaient un savoir en pharmacopée, sur la propriété des plantes médicinales, etc. Alors c'est tout cet ensemble de raisons qui font que j'ai été passionné par Michel Adanson, qui a la réputation, en outre, plus tard dans le siècle, d'être un ami des Noirs. C'est-à-dire que, petit à petit, sous l'influence anglaise, les abolitionnistes ont essayé de répertorier tous les écrivains qui avaient auparavant, dans le siècle, exprimé ou manifesté un intérêt pour les Africains et un intérêt bienveillant. Et donc il a été, alors qu'il a écrit son texte au milieu du XVIIIe siècle, repéré par des gens de la fin du XVIIIe siècle comme étant un des premiers amis des Noirs. Alors tout ça mélangé a fait que j'ai eu, après l'avoir lu il y a 15 ans quand même, eu très envie d'écrire un roman où j'inventerai un voyage secret de Michel Adanson qui, si vous voulez, serait un moment de rencontre vraiment très intime avec le Sénégal, beaucoup plus que celui qui apparaît dans son récit de voyage publié.
C'est ce qui nous a passionnés au premier plan, hein, ce changement de regard et cet homme exceptionnel. Mais vous venez de dire aussi, vous avez retrouvé quelque chose du Sénégal d'aujourd'hui. Et on voulait vous poser cette question. Je crois que c'est toi qui disais. Qu'est-ce qui a fait écho pour vous au Sénégal d'aujourd'hui dans ce que vous avez lu des... Ah, ça marche plus ? Si. Je ne suis pas habituée. ouais, c'était une de nos questions. C'était, voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les... Vraiment, expliciter un petit peu plus, peut-être, ce que vous avez trouvé dans les carnets de Michel Adanson qui fait écho au Sénégal d'aujourd'hui. Alors, dans son récit de voyage, il parle du couscous de requin. Je n'ai jamais mangé de couscous de requin. Mais, en revanche... C'est pas inventé, alors, le couscous de requin. Non, c'est pas inventé. C'est-à-dire qu'il y a le couscous qui est fait à base d'une céréale qu'on appelle le mil, et qui est accommodé aujourd'hui avec d'autres choses que du requin. Mais voilà, j'ai appris que ça existait. Mais moi, j'ai été frappé, par exemple, par un condiment qu'on appelle le yet, qui est un mollusque qu'on fait en général presque pourrir, pour qu'il ait, si vous voulez, une saveur extrêmement puissante, que tout le monde ne mange pas, mais qui sert de condiment dans les sauces encore aujourd'hui. Et Michel Adanson en parle dans son récit de voyage. Il dit qu'il a goûté au yet et qu'il l'a trouvé fort insipide. Alors moi, j'ai été extrêmement étonné par cela, parce que moi, je ne suis pas capable d'en manger. Je le trouve très fort. Hein. Il y a des gens qui l'apprécient, moi, je n'en fais pas partie. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi dit-il que c'est un aliment fort insipide ? Et puis je me suis dit, attention, c'est un homme du XVIIIe siècle qui parle. Et il y a des meubles du XVIIIe siècle où on serrait le gibier. Et on sait bien que certains ortolans, on les pendait par les pattes et on attendait qu'ils tombent avant de les cuisiner. Voilà, donc je comprends donc que le fait qu'ils disent que ce soit insipide correspond aussi à des habitudes alimentaires différentes. En France, au XVIIIe siècle, où on mangeait la viande plus forte. Et puis ce qui me passionne aussi, c'est sa description des alentours de Saint-Louis, qui se trouve au nord du Sénégal, et qui parle du village de Sor, et ce village de Sor, moi je le connais, je suis allé. Il parle de son caractère inaccessible, alors que, bon, aujourd'hui, il est très accessible. Il parle d'une végétation, d'une faune, d'une flore qui est à la fois proche et lointaine, et de forêts qui ont disparu. Donc, voilà, quand je vois un endroit, maintenant, en surimpression, j'entends ce qu'a écrit Michel Adanson sur cet endroit. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un écho, une résonance très forte avec ce que j'ai vu. Il parle du lac rose. Il y a un lac rose au Sénégal qui prend cette couleur à cause du sel qui s'y trouve. Michel Adanson l'a vu il y a 3 siècles. Donc je le vois après et ça crée comme une sorte de connivence. On va vous lire maintenant un autre extrait du livre pour illustrer justement ce changement de regard de Michel Adanson qui est... Après son voyage au Sénégal, en fait, là, il s'agit de... On est au niveau du livre où Aglaé a découvert les carnets. Elle en commence la lecture et il s'agit d'une sorte de préambule, en fait, au récit de voyage où on découvre justement un homme au regard nouveau, presque très moderne pour son époque. Je laisse Laure vous lire le passage. Je suis donc partie au Sénégal à la recherche des plantes, des fleurs, des coquillages et des arbres qu'aucun autre savant européen n'avait décrit jusqu'alors. Et j'y ai rencontré des souffrances. Les habitants du Sénégal ne sont pas moins inconnus que la nature qui les environne. Pourtant, nous croyons les connaître assez pour prétendre qu'ils nous sont naturellement inférieurs. Est-ce parce qu'ils nous ont paru pauvres la première fois que nous les avons rencontrés, il y a bientôt 3 siècles de cela ? Est-ce parce qu'ils n'ont pas éprouvé la nécessité, comme nous, de construire des palais de pierre résistant aux flots des générations qui passent ? Pouvons-nous les juger inférieurs parce qu'ils n'ont pas construit des bateaux transatlantiques ? Il se peut que ces raisons expliquent que nous les estimions pas nos égaux, mais chacune d'entre elles est fausse.
nous ramenons toujours l'inconnu au connu. S'ils n'ont pas bâti des palais en pierre, c'est peut-être parce qu'ils ne les pensaient pas utiles. De toute façon, nous voulions vous inviter à commenter ce passage-là. Il illustre tellement bien ce que vous venez de dire sur le changement de regard, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, il y a un patrimoine immatériel. Dans toutes les civilisations, il y a des choses qui sont inscrites dans la langue, dans les contes, dans les légendes. Et on a une représentation de la puissance d'une civilisation par les traces qu'elle laisse, les traces monumentales. Et donc il y a eu, pendant toute l'histoire de l'Occident, une hiérarchisation des civilisations en fonction des traces monumentales qui sont laissées, des monuments qui sont laissés aux générations qui passent. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel, et pour ce qui concerne le Sénégal et beaucoup de pays africains, ce patrimoine immatériel, il est dans la langue, il est dans la transmission orale d'une histoire de mythe. Et j'ai voulu faire de Michel Adanson, qui est un représentant des Lumières de la raison du XVIIIe siècle, un homme qui découvre que tout n'est pas dans le matériel et que dans le fond il y a une richesse civilisationnelle aussi dans cet immatériel et notamment dans la langue qu'il apprend. Et j'utilise une image en disant que, il a l'impression, au fur et à mesure qu'il apprend la langue, qu'il découvre derrière un décor mal peint de théâtre le véritable paysage, en fait, qui se refuse à tous ceux qui ne maîtrisent pas cette langue-là. Voilà pourquoi j'ai fait de ce passage un passage où... qui ouvre un peu d'ailleurs ces cahiers secrets de Michel Adanson, où je pose cette question-là et je pose ce problème. Maintenant, est-ce que Michel Adanson pensait vraiment ça? C'est pas certain. Là, c'est de la fiction. C'est-à-dire que je le pousse là où je veux qu'il aille. Et Michel Adanson était quand même un homme de son temps avec ses préjugés. Et on peut le lire par ailleurs dans d'autres textes où, par exemple... Il dit que l'esclavage, pratiqué par la concession du Sénégal, qui dépendait de la Compagnie royale des Indes, se justifie, ou en tout cas pourrait être développé. Donc ça, c'est moins Michel Adanson que David Diop qui parle. Oui, à plusieurs reprises, on est bien dans ce doute-là de ce que vous avez insufflé à Michel Adanson, de ce que vous pensez aujourd'hui et qui fait de lui, quand on le lit, un personnage quand même surprenant pour son époque, même si vous avez déjà dit qu'il était déjà surprenant en lui-même. Alors, on a déjà quantité d'éléments pour comprendre que le personnage est fascinant. On n'a pas beaucoup dit sur l'intrigue du roman, les personnages, on peut en dire quelques mots, mais on va commencer par venir sur un choix de construction que vous avez fait dans ce roman, qui nous met dans la position que Adanson a prévue pour sa première lectrice. C'est l'écrit de Michel Adanson fictif de ce voyage au Sénégal. Il est destiné à sa fille, Aglaé. Et donc, il a caché ce message. Il faudra que Aglaé le trouve. Et nous, lecteurs, qui avons lu ce que Anne vous a lu tout à l'heure, le début du livre, nous sommes tout de suite au clair sur le fait que ça va être extrêmement intéressant en Afrique, avec des aventures. Et puis, il va falloir attendre jusqu'à la page 50 pour qu'on soit vraiment en Afrique. Page 53. Ah bon, voilà. Je me trompais. Mais en gros, voilà, quand même, il faut être patient et un peu dans la même situation qu'Aglaé. Alors, c'est comme... il y a des romans du 18e, c'est votre siècle de travail, qui commence toujours avec un manuscrit qu'on découvre, qui est, l'auteur se cache derrière.
donc il y a cet aspect-là, ok, on joue avec ça, et puis il y a cette langue, voilà, on est plongé dans une langue très tenue, c'est pas celle de Michel Adanson, là encore, j'en imagine de la distance, mais vous pouvez expliquer un petit peu ces choix-là. Oui, alors, page 53, parce que je voulais, que ce texte-là, ces cahiers secrets, il y ait toute une histoire jusqu'à leur découverte et que la transmission ne se fasse pas immédiatement. C'est aussi l'histoire d'Aglaé Adanson, La Porte du Voyage sans retour. Aglaé Adanson, c'est la fille de Michel Adanson et c'est une grande botaniste aussi du 19e siècle qui a publié des livres qui étaient extrêmement respectés, qui était une féministe aussi, qui a eu un enfant hors mariage et qui a écrit des textes où elle semble dire, par exemple, que si, ça elle le dit très clairement, que si George Sand n'avait pas porté de pantalon, eh bien, personne ne l'aurait jamais lu. Donc on retrouve des textes où on voit ce personnage-là qui est très intéressant pour moi, parce que c'est une sorte de réponse d'un autre personnage féminin qui apparaît dans les cahiers, mais qui est aussi donc Maram, une Sénégalaise, une jeune femme forte, mais aussi opprimée. Et donc je voulais que le texte, elle se donne la possibilité de mériter de le lire. Et parce que pour moi, c'est symbolique en fait d'une histoire qui est cachée dans des tiroirs. Il y a des pans de notre histoire commune qui sont cachés dans des tiroirs et que personne n'ouvre. Et justement, elle découvre ce manuscrit dans un tiroir où il aurait pu prendre la poussière et ne jamais être lu par Aglaé Adanson. Et c'est dans une sorte de mémoire affective de ses relations avec son père qu'elle trouve la clé pour découvrir ce manuscrit. Et donc, une des thématiques du roman, c'est la question de la transmission. Donc, il faut mériter l'Afrique jusqu'à la page 53 pour pouvoir la découvrir comme, Aglaé Adanson la découvre. C'est-à-dire que pour connaître autre chose, il faut faire l'effort. Après, vous avez eu raison de dire qu'il y a chez moi une sorte de goût aussi pour le roman du XVIIIe siècle, où il y a souvent un manuscrit trouvé à Saragosse, de Potocki, un manuscrit caché, et on va le découvrir, et on va lire à l'intérieur du manuscrit des récits dans les récits et des récits enchâssés. J'ai joué aussi sur ça, évidemment, sur un type de roman. Quant à la langue, je ne voulais pas pasticher la langue du XVIIIe siècle, parce que c'est une langue qui n'est jamais aussi bien écrite et mieux maîtrisée que par les gens du XVIIIe siècle, mais en même temps une langue qui nous éloigne, en fait, peut-être des sentiments ou des émotions que je voulais éprouver en écrivant moi et aussi, évidemment, faire éprouver au lecteur. Donc, c'est vrai que l'écriture est différente de Frères d'âme parce que j'ai un personnage qui est un savant, qui est jeune, mais qui est un savant et qui écrit à sa fille et qui, dans un certain sens, manifeste une maîtrise de l'écriture que j'ai admirée en lisant son véritable récit de voyage. Donc je ne pouvais pas me permettre d'actualiser trop son écriture. Il fallait qu'elle soit un peu une marque de son appartenance à une époque un peu ancienne. Oui, on pourrait vous amener plus loin là-dessus, mais il faut quand même qu'on vienne à l'histoire, à la dimension romanesque et au plaisir de la lecture, parce qu'il faut vous attendre à des rebondissements, à des histoires de pouvoir, d'amour, de détestation. Et donc, avant de lire un nouveau passage, enfin pour vous de l'entendre, il faut présenter les personnages principaux. Donc Adanson, ça va, je pense que ça suffit. Ensuite il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle Ndiak et qui est en fait un fils de roi qui sert en fait d'interprète, d'accompagnateur qui a lui aussi un rôle de transmission
avec une dimension de réciprocité, bien sûr, entre Adanson et lui. Et il y a Maram, la jeune femme dont Adanson va tomber amoureux. On ne dévoile quand même pas grand-chose quand on dit ça. Hein. Bon. Donc, dans le passage, pour contextualiser le passage, Adanson se trouve dans la case de Maram. Maram est à ce moment-là cachée sous l'apparence d'une vieille sorcière et elle joue de fait, en vrai, le rôle d'une guérisseuse parce qu'elle s'est échappée de son village pour des raisons dont on parlera après. Et c'est en tant que guérisseuse qu'elle a soigné donc Adanson qui a été atteint d'une fièvre. On l'a amené là. C'est à cette occasion-là qu'il deviendra amoureux d'elle, mais surtout qu'il va être assisté à une scène dont vous allez voir qu'elle est particulièrement saisissante. Le personnage qui arrive, qui s'appelle Baba Sek, c'est l'oncle de Maram, c'est lui qui est à l'origine de la fuite de Maram de son village natal et de sa vente comme esclave. Donc, on va vous lire ce passage-là. C'est Anne qui s'en charge. « Où est-elle ?» me demanda-t-il soudain d'une voix étouffée. J'hésitais à le prier de me préciser de qui il parlait. Cette réponse aurait été déplacée. Nous savions tous les deux que Baba Sek parlait de Maram. Elle était au cœur de nos deux vies. Comme je restais silencieux, il fut distrait par le bruit du clapotis de l'eau provenant du baquet à l'entrée de la case. Sans plus se soucier de moi, il posa sa lampe à terre et fit un pas de côté pour se pencher au-dessus du baquet. Et tandis qu'il scrutait la surface de l'eau pour essayer de comprendre ce qui l'agitait, je vis une ombre immense se détacher lentement des hauteurs de la case, juste au-dessus de sa tête. J'étais pétrifiée. J'aurais voulu crier pour avertir Baba Sek du danger qui se glissait vers lui, mais aucun son ne parvenait à franchir ma gorge. La mort approchait et il ne s'en doutait pas. C'était un énorme animal qui semblait flotter dans l'air de la case. J'entreaperçus sa tête triangulaire, presque aussi grosse que celle de Baba Sek. Dardant vers elle, par à-coups réguliers, une fine langue noire et bifide, comme si de sa large gueule fermée tentait de s'échapper un petit serpent à deux têtes, avalé aussitôt qu'il en sortait. Noir de jais, strié de jaune pâle, la peau du boa luisait à la lumière orangée de la lampe posée au sol par Baba Sek. L'oncle de Maram, inconscient du danger qui le surplombait, avait toujours la tête penchée au-dessus du baquet d'eau de mer dont je compris en un éclair la véritable fonction, qui n'était pas seulement d'éclairer la case la nuit d'une lumière translucide, mais de servir de garde-manger au boa. Maram le nourrissait ainsi de poissons, offrant à son instinct de chasseur le plaisir de les attraper en plongeant sa tête dans l'eau. Le reste de son grand corps accroché à quelques poutres de la face interne du toit de la case. Mais là, ce n'était pas un poisson que Maram sacrifiait à son boa, c'était un homme qui, ignorant la menace planant au-dessus de lui, s'interrogeait sur l'utilité de ce baquet, comme cela avait été mon cas à plusieurs reprises cette nuit-là. La tête du boa se rapprochait lentement de la sienne. Alors, on ne va pas vous lire la suite. C'est dommage, j'aurais bien aimé entendre ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de lectures, qu'en Allemagne, vous en avez, on ne faisait que des lectures. Oui, c'est vrai que je vous le disais tout à l'heure. Ce que j'adore, en fait, dans cette rencontre, c'est qu'il y a une alternance de questions et de lectures du texte, et c'est très bien. En tout cas, en préparant la rencontre, nous n'avons pas eu de mal à nous mettre d'accord sur le choix de ce passage. C'est-à-dire, en gros, il fallait qu'on lise celui-ci parce qu'il nous avait paru vraiment saisissant. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine de cette image qui est très puissante
Pour nous, c'est très cinématographique, avec l'œil du témoin. Mais voilà, le serpent, c'est le protecteur, l'esprit protecteur de Maram. Et puis, ses relations humaines, animales, totémiques. Oui, je me suis inspiré de ce que j'ai entendu dire au Sénégal, chez les Lébous notamment, donc qui vivent près des côtes, qui sont des marins plutôt, des pêcheurs, sur ces espèces de daimon, comme on dirait en grec, ou de rab en wolof, c'est-à-dire cette part de soi qui est là, qui peut être hostile ou amicale en fait, et qui fait partie de vous, et qui peut prendre la forme. Alors là, on prend quand même appui sur des représentations animistes du rapport entre l'homme et la nature, d'un animal totémique qui vous protège ou qui vous tourmente. Et donc, je me suis servi de ce que j'avais entendu dire, de cette connaissance un peu superficielle, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont ces savoirs-là et qui ne les délivrent pas. Il faut être initié aussi pour savoir ces choses-là. Je me suis servi de ces connaissances qu'on peut avoir sur ce rapport entre l'homme, l'animal, la puissance que l'un peut conférer à l'autre, une puissance psychique, mystique, qui renvoie, si vous voulez, à des croyances anti-islamiques, c'est-à-dire finalement des religions africaines animistes. Et j'ai voulu vraiment que ça fasse partie d'un réseau de réflexion autour du rapport de la question du rapport entre l'homme et la nature. Parce que j'ai voulu confronter Michel Adanson, qui est cet homme des Lumières, ce philosophe, qui croit en la toute-puissance de la raison, le confronter à une autre représentation du rapport entre la nature et l'homme, qui pour l'Occident est surnaturel, mais qui pour beaucoup de peuples est naturel. Donc il y a aussi cette volonté-là d'interroger le rapport à la nature, qui est le nôtre encore jusqu'à aujourd'hui, et qui est d'ailleurs très interrogé, parce qu'on fait face à une gestion de la nature qui remonte au XVIIIe siècle, consistant à s'en rendre, comme disait Descartes, comme maître et possesseur. Et donc qui induit un gaspillage des ressources, ou en tout cas une exploitation intensive des ressources de la nature, alors qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu, ou qui sont en voie de l'être, ou qui ont été supplantées par la civilisation occidentale, qui envisageaient le rapport avec la nature comme un rapport de coopération. Donc voilà, cette question-là, elle me hantait dans l'écriture, au moment de l'écriture de La Porte du Voyage sans retour. Je voulais finalement réfléchir à travers le roman à peut-être ces occasions manquées de comprendre le rapport entre l'homme et la nature différemment, dans un plus grand respect de la nature. Et je dis à un moment donné, je fais dire à Michel Adanson à un moment donné qu'il aime Maram, parce que si lui est un homme qui cherche à percer les mystères de la nature, elle cherche à se la concilier, la nature. Donc c'est deux visions qui sont complémentaires. Et nous, en tant que lecteurs, nous le percevons très très bien. C'est en ce sens que, d'ailleurs, il y avait un autre extrait que je pense que nous n'aurons pas tout à fait le temps de lire, mais dans lequel vous évoquiez le personnage évoque les laobés dont il faut se concilier les pouvoirs secrets sur les arbres et les animaux de la brousse. On peut trouver peut-être le temps de lui lire le passage. On verra. Bon, en tout cas, on verra, mais on peut le dire celui-ci. Alors, on y va. Les laobés sont les défricheurs de la brousse, m'a expliqué Ndiak. Ce sont eux qui permettent au royaume d'étendre leurs terres cultivables. Ils savent les prières qu'il faut réciter avant de couper les arbres, de même que toutes les précautions à prendre pour éloigner les génies des villages pris sur la brousse. Sans les laobés, les rois ne pourraient pas trouver de nouvelles terres à distribuer à leurs courtisans et à leurs soldats.
J'étais encore jeune et, alors que je ne me gênais presque jamais pour dire ce que je pensais, je me suis retenue, avec peine, de rétorquer à Ndiaye que cette imagination du pouvoir des hommes sur de prétendues forces occultes n'était qu'une grossière superstition. Mais, à présent que je suis devenu vieux, je vois dans ces croyances un des merveilleux subterfuges trouvés par certaines nations du monde pour limiter le pillage de la nature par les hommes. Je ne trouve donc plus absurde, aujourd'hui que j'ai une plus grande expérience de la vie, et alors même que je suis sur le point de la quitter, et que des hommes d'une race différente de la mienne aient une représentation du monde tentant à manifester du respect pour la vie des arbres. Voilà donc comment dire, Philippe Descola avant l'heure ou Oui, Philippe Descola, qui est vraiment un grand savant et un grand intellectuel. C'était juste pour dire que voilà, on a vraiment été sensible à cet aspect-là du roman, bien sûr, mais je ne pense pas que ça puisse échapper au lecteur. Et ça fait partie d'une des thématiques, mais on voudrait aussi aborder un autre point qui va être lié à, comment dire, à partir d'une autre scène qui va être liée à ce que vous avez donné comme titre, hein, La porte du voyage sans retour, donc la thématique de l'esclavage qui est évidemment présente dans le roman. Donc la lecture suivante nous met donc avec Adanson sur l'île de Gorée. Donc cette île dont partaient les bateaux de la traite transatlantique. Et il est parti pour s'efforcer de sauver Maram, qui se retrouve à nouveau, après s'en être échappé, dans les mains du gouverneur Saint-Jean, qu'il a promis à un propriétaire de la Louisiane. Donc il descend dans la prison absolument effrayante, où elle est prisonnière, et c'est tout près du ponton sur la mer. Les marins dont j'avais entendu les chants portés par le vent jusqu'à la salle à manger de Saint-Jean, un étage au-dessus, avaient accosté leur chaloupe au ponton. Quatre d'entre eux, armés de fusils, rejoignirent Saint-Jean qui leur désigna de l'index les cachots. Ils avancèrent vers moi et le garde me fit reculer au milieu du corridor, car une seule personne à la fois pouvait franchir la porte. Deux marins, fusils en bandoulière, entrèrent sans me saluer. La première grille qu'ils firent ouvrir devant moi par le gardien de la prison laissa passer une dizaine d'enfants, nus pour la plupart, dont le plus âgé devait avoir 8 ans, et le plus jeune 4 peut-être. Ils allaient deux par deux, à la queue leu-leu, se tenant par la main, précédés par l'un des deux marins et suivis par l'autre. Ils passèrent la porte. Je les voyais avancer à petits pas, titubants, sans doute aveuglés par les éclats de lumière réfléchis par la mer. Le soleil à son zénith mangeait l'ombre sous leurs pieds. Une fois arrivés au bout du ponton, on aurait dit qu'aussi légers que des poupées de chiffon, attrapés sous les aisselles, ils étaient jetés à l'eau pour être noyés car la chaloupe où ils étaient reçus en contrebas par d'autres marins restait invisible au-delà des dernières planches de l'embarcadère. Lorsqu'ils eurent tous disparu, englouti par l'océan, le garde ouvrit le cachot des femmes. La première qui en sortit fut Maram. Merci Laure. Moi personnellement, c'est un passage que j'ai trouvé très poignant, qui m'a beaucoup touchée. La thématique, on a dit, de l'esclavage est un des sujets du livre, mais on a l'impression que c'est pas la thématique principale, qui n'est pas abordée frontalement. En fait, la passion amoureuse d'Adanson pour Maram et le changement de nature de son voyage vont être des moyens d'aborder ce sujet-là. On pense au passage qui vient d'être lu, ou la première confrontation de Maram avec son oncle Babasek, ou encore Ndiaye qui se rend au village de Pir Gouray, où la traite est interdite, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez
peut-être parler de ce choix d'aborder la thématique de l'esclavage comme ça, par petites touches. Comment vous l'avez pensé, vous, pendant l'écriture? Alors, pardon. L'apport du voyage sans retour, je tire ce titre d'un conservateur qui a officié sur l'île de Gorée, qui est un peu au large du Sénégal, et qui s'appelait Joseph Ndiaye. Et ce conservateur avait appelé une porte qui se trouve au rez-de-chaussée d'une maison qu'on appelle la maison des esclaves, la porte du voyage sans retour. Donc je me suis dit que j'allais intégrer ce titre et donner ce titre à mon roman, non seulement parce qu'il évoque cette maison des esclaves, où il faisait une description, en effet, du passage de milliers d'esclaves vers les Amériques à travers cette porte qui donne sur l'océan Atlantique, qui est très lumineuse, d'autant plus lumineuse qu'elle se détache au bout d'un couloir assez sombre. Donc, je me disais, je vais évoquer cela, mais aussi, il y avait une thématique qui me tenait à cœur, c'était la thématique, le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Parce que le mythe d'Orphée et d'Eurydice repose sur un passage impossible d'une porte. Or, en faisant des recherches sur Michel Adanson, j'ai lu une sorte de rubrique nécrologique. C'était plus qu'une rubrique, c'était une notice nécrologique où on a le témoignage du fait que Michel Adanson, à l'écoute d'un passage de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, sanglotait. Il pleurait. Là, je parle du personnage du vrai Michel Adanson qui pleurait à l'écoute. Alors, j'ai imaginé que c'était la danse des ombres heureuses, c'est-à-dire le moment dans l'opéra de Gluck où Orphée retrouve Eurydice aux Champs-Élysées. Et où il se retrouve. Et donc, mon objectif, ça a été, pendant un temps, de me dire, je vais essayer d'inventer la raison pour laquelle Michel Adanson pleurait en entendant cet opéra. Et donc, j'ai vu un lien très fort avec cette porte du voyage sans retour et cette... évidemment, émotion qui l'atteignait en entendant Orphée rejoindre Eurydice. Donc Orphée et Eurydice inspirent en fait, aussi bien que la maison des esclaves, le titre du roman. Et ce qui finalement lie les deux personnages, c'est l'esclavage. Parce que j'ai voulu mettre en présence un personnage qui était un représentant de l'humanisme des Lumières, de sa générosité, un représentant de ce qui va finalement nourrir, de cette philosophie qui va nourrir la Déclaration des droits de 1789 de l'homme et du citoyen. Et en même temps, la violence extrême de la traite des esclaves qui a atteint son pic pendant cette période-là. Donc, si vous voulez, cette histoire d'amour, elle ne pouvait être que finalement contrecarrée par l'esclavage. Après, il y a une autre question aussi que je pose, c'est que c'est un esclavage où ont été partie prenante les élites des royaumes africains. Parce que la France et les pays européens, à cette époque-là, ne maîtrisaient pas les royaumes absolument, comme ça a été le cas beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Mais la France et les pays européens ont fomenté aussi des guerres pour pouvoir vendre des fusils. Parce que vous aviez des royaumes qui étaient en guerre, hein, au sein même du Sénégal, et donc, un peu comme ce qu'ont fait les Nord-Américains avec les Indiens, ils ont, si vous voulez, appuyé là où ça faisait mal. Et si, dans ces confrontations entre royaumes, vous vous exposiez à ne plus avoir ou ne pas avoir de fusil,
c'était l'arme qui faisait la décision, c'était le fusil. Eh bien, vous perdiez tout. C'est-à-dire, vous perdiez votre royaume, vous perdiez vos prérogatives, etc. Donc, les esclaves ont été échangés contre des fusils. Alors, tout cet ensemble fait que, bien, on est dans une situation complexe, où on ne peut pas observer les choses d'une façon schématique, et où, dans le fond, tout le monde est à peu près victime d'un système. Un système mondial qui a considérablement enrichi l'Europe, d'ailleurs, hein, ce système-là. En fait, on aurait 1000 questions à vous poser. Tous les rebondissements, enfin, tout ce que vous venez de nous dire, y compris la place des élites africaines et de la manière dont les traits d'actualité que vous signaliez, on peut en lire aussi dans ce domaine-là, probablement. Mais on sait aussi qu'on veut laisser la place à des questions du public, ouais. Et que le temps nous est compté. Donc, nous ne manquons pas de questions, ce n'est pas le problème, mais on s'est dit quand même que ça serait bien aussi que le public puisse poser ses propres questions. Nous avons essayé aussi de rester très proche du roman pour vous donner vraiment envie de le lire, mais on imagine aussi qu'il y a des questions qui peuvent déborder du roman. Enfin, voilà. Donc, il y a des personnes qui sont chargées de faire passer le micro, en sachant que c'est vous qui tenez le micro pour des raisons sanitaires, hein, et que... Et qu'il faut garder le masque aussi si vous voulez poser une question. Alors j'avais une question plutôt générale par rapport à l'écriture de vos romans. Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier dans lequel vous vous mettez pour écrire ? Alors je ne me mets pas en transe. en fait, je pars de choses très matérielles. Moi, j'écris manuscritement. Bon, je suis universitaire, donc des livres universitaires d'ailleurs que personne ne lit, on les écrit directement. Moi, je les écris directement sur un ordinateur. Mais pour tout ce qui a trait à la fiction, c'est manuscrit. Et ça crée une sorte d'état particulier, en fait. Oui, c'est-à-dire que la main court sur le papier. Il faut d'ailleurs un papier particulier. Il me faut des stylos particuliers. J'attends une offre d'ailleurs du fabricant de stylos pour citer le stylo, vous voyez. Et donc, vous voyez, c'est vrai un état de préparatoire. Hein. Après, ce sont des moments aussi où je prends plaisir à voler du temps à mon temps de travail d'enseignant-chercheur. Donc, dans les interstices, il y a aussi cela. Le plaisir de me dire que j'ai ménagé du temps pour écrire. Ensuite, c'est tout ce que je peux dire à propos de l'état dans lequel j'écris. Ah oui, il y a autre chose, je n'écoute jamais de musique pendant que j'écris, parce que je veux garder un rythme dans l'écriture, et c'est perturbé en fait par l'écoute de la musique. Pardon, excusez-moi. Moi, je voulais simplement dire que j'étais très ému par vos propos, par les différentes lectures, d'autant plus que vous découvrez le livre original d'Adanson ici, à Montpellier. Quand vous parlez de la maison des esclaves de Gorée et de la porte sans retour et du conservateur inventé Ndiaye, je voulais vous dire que ici, à partir de l'Hérault, en 88, au moment du bicentenaire de la Révolution française, on avait voulu exprimer l'aspect universel de la Révolution française
Et dans le cadre d'un projet, on a participé à la rénovation de la maison des esclaves de Gorée, où il y avait Ndiaye qui est venu ici à Montpellier, qui a tenu beaucoup de conférences. Et donc, quand vous parlez de cette porte sans retour, je l'ai devant les yeux, avec l'aspect humide, effectivement, la vue de l'océan sans fin. Et il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est-à-dire cette rencontre où vous découvrez ici, à Danson, la maison des esclaves, où il y a eu un magnifique projet qui a été fait avec Ndiaye en 88, dans cette, comment dire, dans cette idée de lumière, d'universalisme, et surtout de l'universalité de la Révolution française dont vous parliez tout à l'heure. Et donc tout ça me touche énormément, et je tenais à vous remercier et remercier les initiateurs de cette rencontre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je n'en rajouterai rien de plus. Bonsoir. C'est une question qui concerne la fin du roman. Alors, vous allez m'autoriser ou pas, et comme ça, je ne la poserai pas, si je risque de gâcher le plaisir de la lecture. Je ne vous autorise pas, madame, à voilà. poser votre question. Maintenant, par contre, tout à l'heure, si vous voulez, volontiers. On pourra, merci je pourrai répondre à votre question. Ça s'appelle spoiler en anglais. Et c'est un des rares mots anglais que j'utilise beaucoup en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. J'étais pas là au début, du coup, je sais pas si je vais vous faire répéter quelque chose. Dans ce cas-là, désolée. Je voulais savoir, en fait, peut-être pourquoi vous aviez écrit cet ouvrage en particulier et ce qu'il représentait pour vous. Est-ce que, en fait, le fait d'écrire, c'est plus quelque chose de personnel, ou est-ce que ça va plus vers le partage et du coup permettre des interactions avec vos lecteurs comme aujourd'hui? Alors, j'ai répondu en effet à cette question au début, mais je peux en dire deux mots. C'est vraiment une découverte, Michel Adanson. Et donc, il y a une part affective dans le choix de faire de ce personnage un personnage de roman. Parce que j'ai dit que j'avais été tout de suite frappé par l'originalité de son regard sur l'Afrique au XVIIIe siècle, mais aussi par la possibilité qu'il m'a donné de faire, de retrouver des réalités que j'avais connues, moi, au Sénégal, et de les transposer, de les montrer beaucoup plus tard, enfin, de les partager avec lui. Donc il y a une démarche, si vous voulez, évidemment, au départ, extrêmement individuelle, extrêmement affective. Et ensuite, évidemment, j'avais envie d'écrire une histoire à faire partager aussi avec les lecteurs. Oui. Je ne vais pas vous donner. Non, pardon. Alors, je me penche. Allez-y. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai lu deux livres. J'ai lu le livre concernant ce botaniste. Et puis, j'ai lu également votre livre, à travers la façon dont vous utilisez l'histoire. Vous donnez même des solutions. À un certain moment, vous dites que le trafic d'esclaves n'aurait peut-être pas pu exister s'il y avait eu l'idée d'utiliser les plantes, la nature au Sénégal, et notamment de cultiver, c'est-à-dire cette main-d'œuvre. Donc je me suis dit, si ça avait été cela, vous n'auriez pas pu écrire votre roman, parce que l'esclavage se serait peut-être arrêté. C'est-à-dire les échanges, je ne pense pas que l'esclavage se serait arrêté, mais les échanges entre ces continents-là. Donc j'avais toujours l'impression d'avoir deux livres entre les mains, le vôtre, où j'ai trouvé ceci, c'est un roman scientifique, c'est un roman d'aventure, c'est un roman écologique. Alors ça, sur cette partie-là, vous prenez beaucoup, je dirais, des mots d'aujourd'hui pour les transposer au siècle XVIIe, XVIIIe.
Donc j'ai trouvé ce très émouvant, parce que personnellement, l'île de Gorée, je connais, j'ai visité, et j'avais justement assisté à... C'était à l'époque cette personne dont vous avez cité le nom tout à l'heure, qui nous expliquait tout cela. C'était un dramaturge, c'était un orateur, et on frissonnait tous, un silence impressionnant. On était en face de justement de ce couloir que j'appellerais le couloir de la mort. Je vous remercie pour avoir véritablement actualisé une situation, le trafic des armes. Bon, hélas, on sait aujourd'hui ce qu'il en est. C'est plus des fusils maintenant, c'est des armes un peu plus perfectionnées. Mais je dirais que la démarche des États n'a pas tellement changé dans cette logique. C'est exploiter des hommes, les plus faibles, bien sûr. C'est gagner de l'argent sur des choses qui sont moralement condamnables. Et dans tous vos écrits, on sent toujours cette morale qui est là pour dire attention, c'est honteux ce qui s'est passé. Des gens ont souffert, qui pendant longtemps sont restés complètement inconnus. Et puis, c'est presque un livre d'alarme également, parce que la situation du XVIIe, XVIIIe siècle existe encore aujourd'hui, d'une autre façon, mais la finalité reste la même. Et ça, je crois que vous l'exprimez très, très, très bien dans la façon dont vous avez pris en charge ce biologiste, qui est un aventurier aussi à un certain moment de sa vie. Et vous, je crois qu'aussi, vous avez été un aventurier dans la conception de votre livre et dans la structure. Merci. Merci beaucoup. Oui, pour revenir à ce que vous disiez au début, Michel Ardanson, c'est un homme complexe. Il est assez ambigu. Alors, s'il arrive au Sénégal, c'est au titre de naturaliste, de savant. Mais il n'aurait pas pu y aller s'il n'avait pas eu l'aval de la concession du Sénégal, qui dépend elle-même de la concession de la Compagnie royale des Indes. Or, le principal commerce de la concession du Sénégal, c'est l'esclavage. C'est ce qui rapporte au roi de France 3 à 4 millions à peu près de livres de l'époque chaque année. Alors, Michel Adanson, lui, il va écrire un texte dans lequel il dit que peut-être il serait plus intéressant pour la France, pour la compagnie, la concession du Sénégal, d'employer, et on retrouve ça dans un de ses textes, cette expression extrêmement étonnante, je ne comprends pas vraiment ce qu'il a voulu dire, mais il parle d'esclaves volontaires. Bon. Mais ça correspondait à quelque chose qu'il imaginait, qui resterait en Afrique et qui cultiverait la canne à sucre, le mil, enfin tout ce qui pouvait être cultivé aux Antilles. Mais vous imaginez bien que les directeurs de la compagnie, de la concession du Sénégal, surtout de la Compagnie royale des Indes, quand ils l'ont entendu raconter cette histoire, ils se sont dit « mais il est fou ». Parce que tout le système reposait sur ce triangle-là, ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Et on sait que les planteurs avaient un pouvoir énorme en France. Par exemple, c'est eux qui ont fait tomber la pièce d'Olympe de Gouges. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait une femme admirable qui a écrit une pièce contre l'esclavage. Et les planteurs ont loué toutes les loges du théâtre de la Comédie française, en disant, si cette pièce devait être jouée, vous allez, vous les acteurs, parce que les comédiens étaient payés, vous êtes ruinés, parce qu'on va faire tomber la pièce. Du coup, la pièce n'a pas été jouée. Donc Michel Adanson qui arrive, qui dit ça, il est très mal vu. Mais ça aurait pu être un tournant. D'ailleurs, est-ce que ce tournant aurait été plus intéressant, plus bénéfique? C'est vrai qu'il aurait évité des hécatombes. Mais le 19e siècle, en fait, après colonial, a utilisé ce qu'on appelait le travail obligatoire, qui n'a été aboli qu'en 1947, et c'était une forme d'esclavage. Donc, oui, on pourrait mettre Paris en bouteille.
Mais je crois que vous l'avez dit dans votre propre conclusion, la finalité, c'est toujours l'exploitation de l'homme par l'homme, quelque forme que cela prenne. Et ce n'est pas être marxiste-léniniste que le dire, c'est un constat. Et c'est pour ça que je pense que y a un éternel retour du même dans nos relations interétatiques. Vous avez dit qu'il y a des formes qui sont prises, différentes, les armes qui sont vendues contre du pétrole ou je ne sais quoi changent, mais il y a toujours cette violence de l'homme par rapport à l'homme. Mais en même temps, à côté de ça, il y a aussi chez l'homme, ce qui peut nous garder d'être pessimiste, la volonté toujours de lutter contre cette injustice. Donc l'homme, c'est une galette à deux faces. Il y a une part d'ombre et il y a une part de lumière, mais c'est un éternel recommencement et la notion de progrès est hautement discutable. Alors, juste pour un... Non, je crois pas. Là, ça y est, oui. Vous avez parlé de musicalité tout à l'heure. Vous n'écoutiez pas la musique, mais parce qu'elle est dans le bouquin, dans la façon dont vous écrivez. Vous avez parlé de l'éternel retour et du circulaire. Il est aussi dans votre façon d'écrire. Je ne vais pas trop développer, mais votre clapotis est terriblement inquiétant. Et il se termine en traversant une vaguelette, une vague à l'âme, soit par l'immersion, soit par la résurrection. Donc tout est concentré dans certains mots choisis, avec un rythme ternaire souvent. Sauf que, effectivement, j'ai envie de savoir, comme ma voisine de gauche, la boucle qui éclate à la fin et qui fait qu'on sort de ce cercle d'une certaine façon. Voilà. Mais on ne peut pas en parler puisqu'il ne faut pas divulgâcher. Voilà. C'est joli, divulgâcher. S'il n'y a pas... Ah, une autre question. Oui, excusez-moi. Je voulais vous dire, c'est juste une petite note, c'est que je suis plus familière avec la littérature anglo-saxonne et j'étais très intriguée et intéressée par votre sujet parce qu'il me rappelle les ouvrages de Jamaica Kincaid, je ne sais pas si vous la connaissez, des Caraïbes. Alors, je viens de regarder, je crois que ça n'a pas été traduit, mais il y a deux ouvrages, qui est My Garden Book et un autre qui est Among Flowers. Et elle a un propos qui se rapproche du vôtre par rapport justement à la botanique, l'histoire de la botanique. Et cette idée qui est ces deux temporalités, si vous voulez. Cette temporalité, c'est-à-dire qu'on revient dans le passé et en même temps, il y a ce rapport au contemporain, donc il y a le passé, enfin, je dirais les choses plus brièvement, si vous voulez, le passé présent, et cette dialectique entre ce passé et ce présent, je le retrouve, enfin, dans mes recherches, je le retrouve en ce moment comme une préoccupation assez forte, on va dire, des écrivains contemporains. Voilà, c'était cette remarque. Alors, je ne connais pas ces textes que vous évoquez, mais ce qui fait le lien, évidemment, entre notre passé et notre présent, c'est la nature. C'est vraiment... la nature est toujours dans notre actualité. On l'oublie, en fait. Mais on est interdépendant. Et c'est vrai que dans mon roman, j'ai été frappé, par exemple, par l'histoire des ébéniers. J'ai lu dans des textes anciens qu'il y avait des ébéniers sur la côte du Sénégal, hein, beaucoup d'ébéniers. Et où est-ce qu'ils sont passés, ces ébéniers? Eh bien, ils sont passés dans les chœurs des églises, dans les retables, dans les buffets d'orgue, partout en Europe, sur les touches des clavecins. Et donc ça, c'est une première exploitation de la nature intensive qui nous donne... déjà un aperçu de ce rapport à la nature
qui est préoccupant aujourd'hui et dont finalement nous vivons qui c'est un cycle ancien mais qui est toujours actuel. Et peut-être que la littérature permet de faire le pont en fait ou d'imaginer en fait ce lien entre ce passé et ce présent de la nature. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce moment de questions. Merci à tous et merci David pour ces échanges extrêmement riches. On espère vous avoir donné vraiment envie de lire le livre. Il est d'ailleurs là, si vous n'y tenez plus, il est là à la vente. Il y a une histoire de serpent à régler. Hein. Ouais. Ah oui. On vous a laissé un sacré suspense là, donc il faut lire. Et livre que vous pouvez acheter donc avec Frère d'âme et votre premier roman qui est là aussi et que vous pouvez probablement vous faire dédicacer un petit moment de dédicace, est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, avec plaisir, ouais. Oui. Voilà.